Agent, par ici. Rejoignez-moi à la porte. Mission prioritaire indiquée. Rendez-vous au marqueur. Agent, suivez-moi. J'ai besoin de renfort.
dessus. Menace ennemie détectée. Abri requis. C'est on a tous en position. Il part de derrière cette barrière. Sécurisez le périmètre! Occupez-vous de ces barricades. Demandez à quelqu'un de contacter les patrouilles pour qu'elles recherchent les traînards. Certains de ces fumiers se sont enfuis. Je m'attendais pas à une autre attaque aussi rapidement. Ça va? Si ça continue, on va devoir bouger d'ici. Allez, donnez-moi un coup de main. On n'est pas assez nombreux pour protéger tout le monde. Pas encore. Allez sur le front de mer! C'est pas possible. C'est un signal de détresse. Avec les coordonnées de Washington. Mais comment c'est possible? À terre! À terre, tout le monde en Quelqu'un doit rester. On ne peut pas abandonner ces gens ici. Faut intervenir. Si on fait rien, on est tous foutus. Allez-y! Moi, je vais faire ce que je peux. Partez! On ne se rendait pas compte de la chance qu'on avait. Du café bien chaud le matin. Le wifi gratuit. Et quand tout a disparu, on a survécu. Quand les communications, les trains et Internet sont tombés en panne, on a survécu. Mais quand les pharmacies ont commencé à être pillées et les hôpitaux fermés, l'asthme est devenu une maladie mortelle. Plus de police pour vous protéger. Vous aviez une arme? Votre voisin avait une arme? Certains ont survécu. Notre espèce est coriace. Lorsque la société s'effondre, l'homme se relève. Mais pour la première fois depuis des siècles, ce qu'on veut devient aussi ce dont on a besoin. Face à la catastrophe, nous nous sommes entraidés. Nous avons créé de nouvelles communautés sur les ruines de la société. Nous nous sommes adaptés. Nous avons établi la nouvelle normalité. Mais il y a ceux qui ne bâtissent rien. Qui ne créent rien. Des hyènes traquant les plus faibles. Depuis, notre monde saigne.
Nous ne sommes pas seuls. Quelques braves ont juré de nous protéger et de sauver ceux qui restent. Ils nous unissent. Ils nous rappellent que nous sommes un peuple. Ils sont notre bouclier, notre lumière. Mais si cette lueur s'éteint... Alors qui nous sauvera ? Sept mois se sont écoulés depuis le début de l'épidémie. Nous vivons toujours dans la peur du virus, le poison vert. Mais le vrai danger est encore là. Il attend. Alerte en provenance du canal d'urgence de la SHD. Priorité flash. La base d'opération est attaquée. Les troupes ennemies ont réussi à infiltrer notre périmètre au sud. Nous avons besoin de renforts. Je répète, nous avons besoin de l'aide immédiate des agents à proximité. Thank you.
ça fait 3 Je vois un agent de la division qui monte vers le nord, droit vers la Maison Blanche. Apparemment, il a fauché un groupe de Yen et se dirige par ici. C'est l'agent! Éteignez ce feu! Merci pour le coup de main. Vous devriez aller voir Mamie, quoi. Ça, c'est vous.
Bienvenue à Washington. Je suis Manny. Communication. C'est l'alerte de la division qui vous a fait venir. Je suis content de vous voir. Je vais vous montrer à quel point on est dans la merde. Depuis que la JTF a implosé, la ville est devenue un terrain de jeu pour les sociopathes. Il y a plusieurs factions principales et plein de petits poissons qui récupèrent les miettes laissées par les gros. Quelques camps civils tiennent encore le coup face à toutes ces horreurs. Mais l'aide qu'on a pu leur donner jusqu'à présent est loin d'être suffisante, surtout depuis la panne de la division. Ça, c'est Kelso. L'un des derniers agents encore en vie à Washington. Elle a été envoyée en mission prioritaire au refuge du théâtre. Vous devriez aller la voir. S'il y a quelqu'un qui sait comment réactiver les systèmes, c'est elle. Oh, et profitez-en pour vous présenter aux civils sur place. Histoire de les rassurer. Il y a un nouveau shérif en ville. Tant que j'y pense, agent. Descendez voir l'intendant quand vous aurez un moment. Il pourra vous fournir du matériel de la division. Mettez toutes les chances de votre côté.
Venez par ici, agent. Un agent demande du backup.